Et bonsoir Gary, bonsoir sénateur Fortuné, bonsoir Marco et bonsoir à toutes les panélistes. Bonsoir sénateur. Alors, voilà, merci. Et alors, intervention, c'est pour me dire que premièrement, et sénateur Fortuné, je n'ai aucun accord avec le président Jovenel sous question de mandat sénateur. D'ailleurs, je n'ai pas le droit à ça moi-même pour me dire à cause. Je ne peux pas le dire, tu es de l'accord, non? Nous utilisons nos vulgaires, nous disons, nous venons de bagailles entre nous en temps verbal, alors c'est ça, qualifié de bagaille. Ok, alors ça moi-même, je voulais dire, c'est que là nous arrivons en 2018, moi j'étais président, et il y a un bruit qui a couru que le sénateur, deuxième sénateur, le mandat a fini, et que nous-mêmes nous avons pris la constitution, nous avons pris la. Nous avons dit. Loyaux, nous t'allé et nous t'ai montré, président, que sénateur Sayo, qui était le deuxième sénateur, il était con certificat en 2016, le mandat a fini en janvier 2020. Et sénateur qui était élu premier sénateur, le mandat a fini en janvier 2022. Après un peu de discussion, président, eh bien, il était venu d'accord avec Samoutendia et sénateur continue le mandat pour le finir janvier 2020. Mais discussion a été faite. C'est une commission qui était établie entre le Parlement et l'exécutif là pour expliquer et par rapport à mandat sénatorial, il était venu à certificat, côté que tu es élu deuxième sénateur, l'autre était élu premier sénateur. Et en fonction de ça, il était venu d'accord que le mandat, ce n'est pas janvier 2019, c'est janvier 2020. Donc, et l'autre sénateur qui était le premier sénateur, il était là pour janvier 2022. Et si le président lui-même lui dit bon, c'est moi dans la fini, même j'ai un député, qui est le coup légal que nous. Non, le président n'a pas déterminé le mandat. Et le président lui-même, il a un mandat, il a un mandat que lui-même, le jeune, lui-même, la défendre mandat. Le président a gagné un mandat que la Constitution a déterminé. Où est le premier sénateur? Le sénateur en général est élu pour 6 ans, ou est le premier sénateur, ou là pour 6 ans, et ça qui est le deuxième, lui-même, il est moins, puisque il est là pour 4 ans. Donc, oui, à partir de ce moment, le mandat est clairement déterminé, c'est pas non, le président. Non, c'est bon, monsieur. On connaît très logique, très très logique. Une question du premier, deuxième, troisième sénateur, on connaît, ça fait partie des crises là. C'est la première phase de lecture après les. La constitution de 1997, on a été fait. Moi-même qui étais un sénateur, ça n'est le troisième sénateur, 2 ans, une des victimes. C'est-à-dire, oui, parce qu'une fois que vous faites une première phase, là, premier sénateur, deuxième sénateur, dans la prochaine élection, tout le monde va l'élu. Il va l'élu pour 6 ans. Après, vous avez troisième élection pour 6 ans, et vous avez un cycle normalement de 6 ans avec des élections régulières, selon la constitution. Mais malheureusement, vous n'êtes pas responsable, pas responsable, personne n'est responsable. Crise n'a fait que nous pas jamais qu'on fait des élections. Et puis je dis encore, on a parlé du premier, deuxième, troisième sénateur. Nous n'avons pas de bail comme ça. C'était pas une constitution 47 pour voir un thème de phase pour régulariser le fonctionnement du Sénat en termes de siècle, mais le Sénat fonctionne en permanence. Après deuxième phase, là, tout sénateur venait de bout 6 ans. Non, parce qu'il était déjà régularisé. Écoute, moi pense dans le cadre normal, régulier du fonctionnement des institutions, Jean sénateur Fortuné dit en guerre, mais l'on n'a pas gagné élection, soulever la situation, pour pouvoir regarder pour voir que le Sénat renouvelé par tiers et on fait élection normalement chaque 2 ans, le sénateur qui est élu a. Eh bien, il est élu pour 6 ans, parce que nous faisons le partier. Mais l'arrivée où gagne élection deux sénateurs qui n'en ont en même temps, ou retourner dans le cas, puisque l'on gagne deux sénateurs qui sont élus, si c'est tous les deux, si c'est deux sénateurs qui sont élus, ou après, n'est-ce en premier, ou bien n'est-ce en deuxième, là, s'il remarque qu'il y a un problème, il va aller dans le tribunal pour qu'il prenne premier, parce qu'il connaît que premier, il est élu pour plus de 100 que lui-même. Parce que nous retournons dans le cas au début, là, que normalement. Non, nous ne pas retourner au cas au début, sénateur. Nous, dans la crise. Nous, dans la crise. Écoutez. Dans la crise, là, c'est que, ou pas de solution, pas de solution. D'où la nécessité du dialogue. Je veux dire, est-ce qu'on est capable de ne pas gagner l'élection dans le pays, là? Non, mais est-ce que je veux dire, au cas dit que le fait que le président lui-même
il était venu élu pendant un an, et bien matin, il était venu, il était en crise. Mais privé a venu, il fait un an. Mm-hmm. Et bien, le président vient de monter pour 5 ans. Est-ce qu'on a dit que, eh bien, il était en crise, il va élu pour 5 ans? Bon, bon. Il y a 5 ans. Non. Mandal commencé à partir de 2017. Mandal contesté tout. Mais si ça me dit sa crise là, oui. Non, Mandal vient contester à partir de problèmes qui viennent poser à Ndamada. Mais pas Ndamada, c'est crise. Lui-même en général, il était élu pour 5 ans qu'on est à Mandal vient contester à partir de tout le problème. Il y a le même niveau de responsabilité avec le président comme sénateur de la République. Non, négatif. Non. Président, comme c'est président libre, si nous parlons de bilan, le bilan de la Chambre des députés, le bilan du Sénat, comme le peuple a fait, on va faire comme ça, non? Parce que nous, dans la rue, si nous sommes capables de dire dans la rue, il n'y a plus parlement avant, il n'y a plus président deuxième. Et ça n'a rien dit. Mais maintenant, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de bonder dans ce sens. Nous ne sommes pas capables de bonder dans ce sens. Sénateur, nous avons dit non. Nous avons fait l'erreur de dire, la main va bon, nous avons fait la main. Non. Exécuter. Non. Sénateur, tout le monde, sénateur. Non, c'est pas mal. Qu'est-ce que contrôler à nous pas rien contrôler? Nous ne pas rien contrôler. C'est chantage nous fait avec le président, avec le gouvernement. C'est un quotidien. Non, permettez-moi de dire ça, sénateur. Il y a un truc tacite entre le Parlement et l'exécutif. L'exécutif a fait ça voler. En retour, le Parlement pas contrôlé. Et le Parlement fait chantage de même pour l'obtenir ça voler. Donc, jouer l'exécutif sérieux. Et qu'a fait le travail, indépendamment des privilèges des parlementaires, de quoi pour le Parlement a contrôlé, et puis a sanctionné maintenant le gouvernement et les ministres, ben elle a penché minimalement bien. Mais c'est une entente entre les exécutifs et les législatifs. Une entente mafieuse. C'est une entente mafieuse, sénateur, que il faut dire. Ou qu'a fait sauver les exécutifs là, moyennant que député et sénateur, ou bien couvrir député et sénateur, yo gen pa yo. Là où les ministres en bas, c'est le bail a mal passé. Très bien, il faut dire la bataille du mal passé. Il faut dire une entente entre majorité et l'exécutif. Non. C'est quoi ça dit en général, comme individuellement pas responsable, c'est le système. C'est quoi ça le système n'a pas fonctionné. Avec des exécutifs là où fait sauver, parlez-moi de ce côté de même. Et là je suis d'accord. Mais c'est pas vous responsable comme sénateur de la Timonie, etc. Il y a une entente mafieuse entre la majorité et l'exécutif. C'est pas seulement la majorité. L'affaire de Séan, la Séan passé. Qui est-ce qui t'a négocié pour Séan sa fête? C'était la minorité. Qui est-ce qui t'a gagné l'argent en même de ça? C'est pas que la majorité. C'était une minorité à OTP. Écoute, pour Séan, c'est capable de faire. Non, c'est une question. Non, je vais précis. Lorsque le Premier ministre a été gagné pour venir dans la Chambre des députés, ou bien au Sénat, Chambre des députés, mais maintenant, pousser un somme de députés à être capable de faire pour maintenant sanctionner le Premier ministre, ce n'est pas de majorité ou de payer à la Chambre des députés. Vous êtes payé la minorité pour ne pas faire des ordres pour ce qu'on capable de faire. Chaque mec de gain de parole, mais tout le monde connaît, c'est l'intérêt à tout payer. Mais pourquoi m'en répéter pour la nation, ce n'est pas de majorité ou de payer, c'était la minorité. Je dis à comme sénateur, c'est ça que fait nous-mêmes. Ben d'accord, une minorité a érigé un professeur. Très bien. Moi-même, ajouter deux bagailles. Premièrement, au niveau de pays et minorité, moi-même, moi pas au courant de ça. Moi plutôt au courant que majorité a, qui était venu, qui était dit non, mon gouvernement qui a fait là, et que le gouvernement ça a bien ouvert là-dedans, et que. Non, on a parlé de sanctions, Premier ministre. Une sanction. Mais sa minorité a fait des conditions pour quitter ces séances en fait, ou ça vient dans la mode. Parce que Mungue doit décider, Dénec doit décider de ces séances en fait. On a négocié, on va vous écouter. On va parler de minorité dans cette députée. Oui, la chambre députée. Non, c'est là tout. C'est là tout. On a fait des autres de tout. Donc, combien à la boue? Moi-même. Parce que nous sommes sénateurs, oui. Non, du tout. Nous avons été payés minorité à ces séances en fait, pour sanctionner le Premier ministre. Au contraire. C'est pas que la majorité qui vient de cobler de ça. Au contraire, la Chambre des députés a été campée par rapport à ça nous-mêmes. Oui, tout à fait. Parce que nous-mêmes nous demandons pour que nous gagnions une explication sur mercenaires. C'est la d'autre. Et après que, justement, nous avons fait et interpellation, la Chambre des députés a été venue entrer dans la mi-temps, non? C'est la d'autre. Nous devons voir son majorité vraiment de 98. Ok. Bon, nous-mêmes. Et. Par rapport avec majorité que nous avons annoncé et minorité. Et Jean-Gabriel dit d'ailleurs, est-ce que nous avons dit parlement? Puisque
sénateur qui dans minorité ou qu'on compte dans majorité tout. Là on dans majorité a et même fonctionnement le gain. On ne dit pas juste en majorité ou minorité, on nous dit c'est pratique parlement. Parce que bon, nous même sommes sénateurs, mais ça arrive des fois qu'on a majorité tout. Mais bon, moi j'ai la majorité, on a fait Petro Caribé. Oui, mais le gouvernement a été même dans tout. Non, on ne va pas parler de ça. Le parlementaire était ministre, mais tout le monde. Non, on te dit qu'il fonctionne les mêmes gens, c'est quand la majorité n'a pas fait contrôle. Moi, je dis que j'étais dans la majorité, mais ça va t'empêcher de faire enquête là. Enquête en fait après. Qu'est-ce qu'on fait dire audit institutionnel que vous faites pour ce Petro Caribé, c'est la de Yuri. Il fait d'après. Enquête là a commencé en 2016. Non, décaissement. Procédure de décaissement. Nous tu connais nous. Comment vous le faites? Il y a des institutions qui connaissent péché. Non. Hein? Il y a des films de supervision qui pratiquent. Je vais répondre à une question à quoi? Alors, je ne vais pas te dire ça, mais c'est la fin où on va faire des discussions. Je ne vais pas faire des discussions avec vous. Mais je pense que il y a plus de monde qui connaît la majorité qui gagne des comportements corrects. Et à partir de ce moment, je vais prendre un exemple de ce sénateur, Jacques Tauvergeant, qui dit majorité, mais là nous avons fait enquête là, les sénateurs et l'action de l'État dit à l'autre sénateur, écoutez, quand nous faisons la lumière sur lui, je pense que c'est un comportement courageux par rapport à la pratique justement parlementaire. Ok, bon, merci de comprendre et ça va expliquer. Mais et bon, posons une autre question, nous connaissons sur question mandat. Parce que faut venir parler là de l'accord politique pour qui gagne, parce que nous obligeons de passer 4 ans. Parce que je n'ai pas bon du tout. Nous pas dire à l'accord politique, nous avons une compréhension dans l'exécutif que je ne finis pas comprendre. Et dans le dernier rencontre président, il dit que, eh bien, mais ça nous dit-il par rapport à Moutayo, nous avons rencontré avec elle, les mêmes qui comprennent ça. C'est la seule qui est intéressée au cas où le président comprend le bagage ça. Hein? À cette époque, le président a besoin d'équilibre. Et le Sénat, le soldat Mouni, il n'a pas besoin d'un gouvernement facile de faire contrer. Et que maintenant, pour contre lui, il parle avec les intéressés. Mais c'est grave, vous, sénateur Yuri. C'est les intéressés, oui. C'est pas les hommes du droit. Nous sommes dans le Congrès. Sénateur Adoxou. Commission intégrée. Sénateur Adoxou. Il est sénateur. Sénateur Adoxou. Oui, Augustin. Oui, vas-y. Attendez, gars, il me pose une question. Là, mais connaît. Là, nous tapons par la présidente pour nous garder possibilité de 6-4-2. Est-ce que dans la période ça, nous-mêmes, nous t'es allié président. Non, écoute, la question qui t'est posée, c'était pas au niveau du Sénat qui avait un problème. Au niveau de l'exécutif, tu as des conseillers qui t'ont expliqué du mandat. Et à partir du moment que nous-mêmes, nous t'es dit président, président, t'es soulevé, et nous-mêmes, dans la commission que t'es formée pour être exécutif parlement, qui t'a la donne sénateur dans différents groupes. T'es un sénateur Augustin, qui lui-même était venu en 2017, t'es un sénateur Larèche, t'es un sénateur Cantave, t'es un trois sénateurs venus des différentes promotions. Donc, à partir de ce moment, là on finit d'expliquer au Chita, c'est après ça que, eh bien, le président vient dire que le comprenne, question mandat, et lui-même nous continue le mandat jusqu'à janvier 2020. Non, il ne pas continuer le mandat. Il ne pas continuer le mandat. Qu'est-ce qu'on a ici? Deux pouvoirs. On ne peut pas. Non, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, imposer à la nation mon bagaille. Je veux dire, c'est lui qui a un problème dans tout. Il faut que nous admettions que nous avons des erreurs. Je ne crois pas que nous avons des erreurs. D'ailleurs, c'est les intérêts qui ont négocié avec le président. Non, il n'est pas que nous les. Non, c'est les intéressés, c'est-à-dire. Les intéressés. Le plus sympa d'intéressé, le sénateur Larèche, toute la donne, mais c'est le sénateur Cantage seulement en ce moment. Qui est l'intéressé? Même dit les intéressés, mais pas les sénateurs. C'est le sénateur qui parlait avec le président, pas même le dit négocier. Qui parlait avec le président, et puis il vient dégager pour compréhension, pas yo, de mandat, de durée mandat. Donc je dis à toute situation. Mais quel que soit le cas de figure, sénateur, il faut admettre que nous venons pour nous débattre 4 là. Nous débattre 4 là, je veux dire, pour nous accord politique à tout acteur. Non, mais écoutez, on est toujours présent dans la question ça. On va défendre. Sans défendre, on est capable de faire ça. Et on est sorti de crise là.
C'est ça. Moi-même, moi déjà dit que depuis peut-être il y a cela, on mettait tout le mandat sous table, on nous garde des questions et on nous bat quatre là. Non, ça y a aucun problème. C'est pas une crise de mandat. Nous pas une crise de mandat, nous avons une crise de société, une crise profondément politique. Mandat, peut-être, une subie maintenant effet crise là. Non, mais c'est pas une crise de mandat, c'est une crise de mandat. Puis, c'est pas une crise de mandat. Non, c'est une crise très profonde. Oui, une crise très profonde. Pour nous résoudre question ça, il y a des sacrifices, toute autorité au café. C'est ça. Ouais. Et autorité au café, pour que vous discutez, pour aborder des crises là de façon profonde. Et pour nous voir comment sortir de crise là, c'est parce que il pas au bagage que vous arrêtez comme ça, vous dites que vous apportez un petit passement et vous vous conseillez. Très bien. Donc, sénateur Adonji, nous avons besoin de parler de combien de tiers qui ont été deux tiers. Un tiers, année ça n'a pas gagné l'élection. Quel est ton tiers? Quel était deux tiers? Parlement, la dysfonctionnelle. Oui, le Parlement, la dysfonctionnelle, parce que chambre député n'est pas là. Oui. Et dès que vous avez chambre qui va là, Parlement, les dysfonctionnels pour voter loi. Et pour accomplir mission, sauf des missions peut-être de ratification de chef de police qui dépendent du Sénat ou de gouverneur de la banque ou des missions peut-être de diplomatique, mais la dysfonctionnelle de sa mission fondamentale. Mais sénateur, est-ce que vous ne pensez pas tout par rapport avec Jean, société en comprenant par le monde, nous vivons la élection parfaite, chambre député à aller, et puis si par exemple il y a deux tiers dans le Sénat qui allait, donc on a un petit groupe qui était, est-ce que petit groupe ça va pas faciliter la tâche? Hein? Vas-y. Oui, petit groupe qui a prêté, hein, parce que dans le moment, quand tu es prêté, on n'est pas capable de faire des bagages pour faire des actions. Est-ce que petit groupe ça a lui-même, par rapport à privilégié, il a continué Kembel ou bien vous pensez que l'État a dû faire des missions pour faciliter la chose? Parce que déjà, vous avez compris. Moi-même, je pense que si nous d'accord pour tout le monde faire des missions, que ce soit l'autorité nationale, la présidence, le sénateur, qui a prêté, tout le monde, nous n'avons pas de problème. Non, attendez, mais pas ça. Président. C'est le sénateur Youri, 20. Selon Gabriel Fortuné, 10. Est-ce que la loi va dire sous ça? Moi-même, je pense que je dis, même Jean-Président, mon certificat, même que l'élu président, moi, mon certificat, même que l'élu premier sénateur. Donc, ça veut dire que je dis, par contre, en fonction de qui ça, Gabriel Villarreal. Non, pas Villarreal, non, c'est Gabriel. Non, ou Villarreal, non, peut-être parce que le président est. Sénateur Latouti, sénateur Latouti, pas femme ça. Crie ça, ni de deux tiers du Sénat, c'est pas Gabriel Villarreal. Martinel, non, écoutez, nous faut qu'on ait négociation. Non, nous faut qu'on ait négociation, nous faut qu'on ait dialogue. Non, nous faut qu'on ait une position, non. Sénateur Latouti, nous avons une position sur une question importante. Ou des positions par où sur même question ça qui est très important. Très bien, même moi. Non, c'est pas là pour Mbaoul. C'est de même tout. Dis le qui te jouen entre même le président de la République là, comme citoyen. Non, nation d'Agrédo Amando, en fonction de qui ça? Président de la République là, de quel droit est-ce que le président est capable d'interpréter la Constitution? Est-ce que le groupe des sénateurs doit interpréter la Constitution? La procédure d'interprétation de la Constitution est fixée par la Constitution et la loi. Donc ça que tu es fait là, est-ce que tu te réponds à cette époque, maintenant, à la procédure qui t'est fixée? Non, c'est une question politique. Nous prenons comme tel. Je dis encore, c'est ça que fait qu'on est sous table de négociation. C'est ça que fait qu'on est dialogue. C'est une position, nous avons une position, Gary a une position, société civile a une position. Nous n'avons pas qu'à imposer l'autre. Même avec le président, nous avons imposé à la nation. Une sorte de harmonisée position, nous avons imposé à la nation. Je dis, mais mes conséquences. Premièrement, je vais vous faire un deal avec le président. Le président n'a pas de comprendre. Je vais vous conseiller beaucoup de qui ont besoin de faire comprendre nos bagages selon le moment. Il était venu, nous te faire comprendre, ça le mot du doigt. Ça c'est un.
Deuxièmement, non, sénateur, vous n'avez pas intéressé pour dire comme ça, vous n'avez pas même politique, c'est vous-même qui êtes intervenu pour que le président comprenne le mot du droit. Mais tout le monde dit, non, mais écoutez, c'est la question d'équilibre. C'est ça le dit, question d'équilibre. Dis-y que ça a été intervenu pour que le président comprenne le mot du droit. Alors qu'il est intervenu comme intéressé, sénateur de la République, chef de parti politique. Très bien, moi je dis cela de continuer, c'est pas la politique qui doit tenir le droit en otage. C'est le droit qui doit maintenir la comme c'est un faux cas qui a parlé, c'est pas sénateur, vous êtes sénateur. C'est pas ça, je continue de faire tout ça. Vous connaissez, vous ne pas mouiller. Vous dites comme chapeau. T'as le militaire à valer, non? Non, le militaire, Gabriel va cavaler même. Donc, comme c'est le droit qui maintient la politique, moi je dis sénateur Fortuné, que moi-même, moi dis mandat à partir de document que le sénateur et document, c'est le même document ça que le président lui-même dit. Hein. Donc, moi, je dis que je vous dis, en dehors de question de mandat, moi, je rejoins le sénateur Fortuné, il a dit, on mettait toute bagaille sous table là, on nous chita parce que nous avons un pays. Nous avons un pays en crise très profonde, moi-même, moi, d'accord, et dans ça, à n'importe qui le fait, je ne vais pas garder la question de mandat encore. Je m'a dit que, on retire la question de mandat, on nous chita pour nous garder. Parce que, crise là, quand on connaît les noms, les villes amplifient là, et que je dis à des affaires politiques, on leur dit, à faire ce monsieur, on est fondamental. Fondamental, ni commenté pour nous reviser, ni économique, ni social, ni politique là. Et dans ce sens-là, moi-même, je suis d'accord pour nous mettre tout bas sous table. Mais s'il n'est pas fait comme ça, à partir de ce moment, nous étions attachés à documents qu'il a eu, que un jeune qui est en vigueur et qui permettent que tout le monde garde les documents au bout, mais vous combien de temps comme là? Sénateur, certificat où tu parlais tout à l'heure, est-ce que Salma qui la donne, est-ce que lui dit ou élu soit premier sénateur de telle année à telle année, pour combien de temps ça écrit? Certificat, il dit que, par exemple, nous avons deux sénateurs qui étaient élus. Certificat dit que sénateur Latour est le premier sénateur et sénateur Cantave est élu deuxième sénateur. Mais elle parle de Dieu là-dedans. Non, Dieu a déterminé par quatre que vous gagnez comme sénateur qui dit les deux qui l'ont accueilli. Pas Bajou. Ok, ok. Ça veut dire là, selon vous-même, combien de sénateurs Caprité? À partir du deuxième lundi du mois janvier. Donc, il y a 10 sénateurs que le mandat est fini, au tiers, d'ailleurs que nous avons renouvelé en octobre là, eh bien, comme c'est 29 mois, il y a près de 19 sénateurs. C'est un peu de temps, je vous au coup, on est à faire deux tiers, Libanais peut-être, deux tiers pour aller à l'équipe de Jovenel. Bon, tant pis, il y a des Jovenel déjà. Ou à vous dire, oui, ça, même dans la tête, balle, ça, dans la tête, monsieur. Parce que le député, on a pété d'il, d'ailleurs, me posez problème d'avant déjà. Ou qu'on est dans la tête de deux, ça veut dire qu'il y a des bagages qui arrivent pour ça poser comme problème. Non, écoute, je pense que l'État est dans la tête président, mais pour nous, il y a un bon problème parce que le président qui détermine le mandat sont élus. Ça qui doit être dans la tête président, c'est que la crise qui a joué là, et la crise, ça n'a pas qu'à résoudre comme si le nom ignorait. Faut nous chita, faut nous retirer et toute question mandat, privilège, et puis pour nous dire, eh bien, mais quand même après cette crise-là, c'est ça que c'est important. Parce que je veux dire, question mandat, même l'homme n'a pas défendu le mandat, il ne faut pas avoir tout problème là. C'est le problème là qui vous résout. On a peut-être pas là, mais c'est payé pour marcher. On n'a pas aucun problème. Non? Parce que je veux dire, on n'a pas un mandat pour faire le marché, mais ce n'est pas marché. Il y a un problème. Moi, je pense que je dis, ça que tu es de notre tête président, pas chercher pour dire que ma BCR était grand pile pouvoir, l'autre là m'a retiré. Non. Ce n'est pas ça que tu es de là. Je dis, je tape des fonds au principe et d'après document légal que nous avons. Mais moi-même, discussion profonde qu'on a fait, et Gabriel comme ça, l'un nous chita en a parlé, nous dit, il faut nous camper pour nous résoudre le problème ça là. Tout à fait. Et problème, il y a profond. Donc ce dialogue là pour faire. Non, moi-même, au fond, j'ai... Non, c'est ça, c'est clair, sur ça, que c'est un dialogue politique. Regardez, le président dit que faut nous faire un dialogue sous gouvernement, mais il dit non. Bah là, puis profond, souffle, font dialogue sous crise profonde dans ma chita. Mais malheureusement, le président est pour le gouvernement. Il n'y a pas qu'à le gouvernement, alors que crise qu'il a, je dis, avec la TPI. Nous, on n'a pas fait tous les deux. Parce que le gouvernement, le opposition, le gouvernement, le parlement. C'est comme si on a dit, ou dit, comme des crises, on n'a pas qu'à le parlement. Non, on n'a pas fait tous les deux. Non, parce que le pays, quand même, il faut le gouvernement. Oui, mais. Comme c'est la République,
vont laisser participer soit dans l'opposition, mais soit dans la majorité du gouvernement. Ça ne va pas empêcher que nous parlions de crise là. Au contraire, nous avons fait un gouvernement qu'on y a là, nous n'avons pas fait un gouvernement sans que, par des feuilles de route qui dit clairement comment nous allons attaquer la crise là. Crise à tout bout. Non, justement, nous n'avons pas fait un. Est-ce que le président est ça? Malheureusement, nous avons fait un gouvernement qui est en dehors de crise là. Non, est-ce que le président vous fait de route dans un gouvernement? Gouvernement cap là, si vous faites un gouvernement pour juste mettre le, pour que pas un minimum qui définit. Que ce soit opposition pas besoin d'un gouvernement, parce qu'en définitif, on a quitté la majorité à gouverner. Mais si on va gagner les fondamentaux, on ne va pas dire. Non, le gouvernement, et pas la théorie. Dès que vous êtes en opposition, il faut retirer contre le gouvernement. Non, sénateur pas fait mon ça vous montre toute balai qui a passé dans le pays. Non, mais qui est. Même opposition, mon ballonnet, sénateur qui est en opposition. On dit lui, nous pas dans le gouvernement ouvertement. Mais il faut bon tel ministère, m'a voué un monde politique. Non, pas moi, exemple. Comme dit le directeur général, même pas voué un monde qui connaît politiquement. Comme dit l'ambassade, même pas voué un monde qui connaît politiquement. Non, mais bon, exemple, c'est égal, c'est pas vrai, on a discuté, mais on connaît, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça que je dis, en théorie. Parce que si nous continuons à dire des choses, alors que parfaitement, on connaît bien, on connaît évidence, pour nous, là, même, là, nous ne parlons pas d'accord, il n'y a pas quoi nous. Parce que je dis à quoi nous commençons à faire autocritique. Nous commençons à faire autocritique. Nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des saints. C'est nous, classe politique, la classe économique, là. Les élites économiques et politiques qui conduisent le pays à la faillite. Si nous ne commençons pas autocritique, nous ne pouvons jamais faire un dialogue parce que nous avons dit mesdames avec mesdames. Ce n'est pas bon. Il faut nous faire autocritique. C'est un conclu pour nous, s'il vous plaît. Oui, moi-même, je vais parler de 5 sénateurs qui l'a eu, qui déclaré une opposition. On a parlé de eux. Moi-même, moi, je crois que Josia m'a été très content de participer là-bas parce que moi, je pensais que le sénateur Fortuné, comme il était dit déjà, il reconnaît pour fond de crise là. Au profond de crise là qui arrive là, il y a une crise déjà. L'enlevé ou gagné, ou rien à chaque bail pendant les deux dernières années, ni plus d'aggravé. C'était une situation extrêmement grave. Moi-même, moi, je pensais. Ce n'est pas deux dernières années. Ce n'est pas deux dernières années. Je suis prêt à le dire. Il y a une crise. Mais l'argent Petro-Caribé, par-ci par-là, fait nous pas une crise. Une bonne partie de monde n'est pas avisé par une crise. Je suis président Michel Martelly. Crise à la pire. Ce n'est pas une bonne gouvernance qui était. Petit projet Petro-Caribé fait que le monde n'est pas avisé par une crise. Gouvernement à maintenant, qu'on a sous-président Jovenel, sous-président Jovenel, vient pas de l'argent. Plan spécial, vous plaisir de parler. Vous paguez l'argent, tout le monde, les moins avisés, ils ont recrise là. Les moins avisés, ils ont recrise là. Parce que, il y a des opérations, ils ne sont pas faites. Mais crise à la longtemps. Crise à la longtemps. Et ça, quand il y a une crise là, c'est le choix volontaire du déficit de 50 milliards de groupes. C'est un choix volontaire du président faire l'entrée dans le déficit, alors que la majorité a des ballons de budget, que le pas obligé de rentrer là-dedans. C'est déficit qui mène à dévaluation pour la question économique qui est posée. Et puis, on vient vivre en côté que, on vient pas qu'à, et on vient pas qu'à fonctionner parce que tout le monde vient plus pauvre par rapport à gros déficit là. Non, pas l'aggravation crise d'or, parler de 50 milliards là, c'est pas ça. Voilà. Parler de 50 milliards de goût la messagerie. C'est comme si on a du Yuneg. Non, on a qui gagne un gros problème de tension. De temps en temps, la prend pile café, la prend pile sel. Mais le problème, et c'est pas celle-là qui bat le café avec balle tension. C'est déjà gagné. Mais on parle de 50 milliards de gouttes. Comme si avant ça, nous battons crise. Non, nous battons bien déficit économique ça. Non, mais il n'a pas gravé en 2020, c'est une bavonne. Il a pris une pile en 2020. Il a pris une pile en 2021 jusqu'à ce que nous mourions. Je dis à comme ça, il y a un bordeaux, c'est un peu plus qu'on connaît. La situation économique est tellement grave. Même si les gens vous liquidez, il n'y a pas de monde qui vous prend. C'est dans ce milieu-là, il ne faut pas les langages. La situation économique-là, pendant les 10 dernières années, pas jamais dépassé de l'État. Non. C'est le produit-là. Mais 46e, c'est pas autour là. L'on a liquidé les entreprises publiques. Non, l'on a liquidé les entreprises publiques. Non, pas ajouté là, non. Mais il fait partie de mauvais choix. L'on crée ICG, Unité Centrale de Gestion, qui s'est dit, nous ne faisons aucun ministère qui va fonctionner, et puis maintenant, nous voyons tout projet dans ICG.
Mais c'est comme un petit peu trop de il ne pas parler de ça. Guindel, est-ce que fait un moment de commission de vérité? Parce que Guindel, comme si on a dû mettre Petro, c'est aboutissement question. Si dernier, ça nous connaît, capable de dire l'autre encore. Hein? Mais bien, nous tuer l'État, nous planifier pour nous tuer l'État, pour nous tuer la société depuis 30 ans, de toute façon, avec des mauvais. Bon, continuer parce que chaque qu'on a des responsabilités. Pendant les deux dernières années, il y a eu un budget de 178 milliards de coûts qui ont voté. Moi, je dis que c'est la première fois que le budget ça a un déficit de 50 milliards. C'est-à-dire que sous budget, ça a dépensé 50 milliards de coûts qui ont prévu. Et là, ça a, au vu de mon économie, côté que tout le monde était connu avant, et c'est peut-être ça, le déficit n'a jamais dépassé 10 milliards avant. Donc, l'homme qui a 50 milliards, c'est normal qu'on ait des évaluations qui arrivent quand on arrive là. Non, c'est pas il y a une série d'économistes, d'un politique qui a parlé de déficit, déficit, déficit. Un déficit budgétaire, ça dépend de à quoi ça sert. Si il servit pour maintenant battre le peuple à le minimum, effectivement battre le minimum, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. C'est pas déficit là en soi, problème, non. C'est ce qui sont fait avec déficit là. Ça a servi, quelle est sa finalité? Si déficit a servi pour mettre comme dans poche politicien, eh bien, vous voyez, pour politiciens de l'Union, pour les criminels. Mais si le fils l'a servi pour offre gouvernement l'État en matière d'éducation augmentée, en matière de santé augmentée, c'est pas un problème pour le peuple à manger, c'est pas un problème. Écoute, c'est comme si nous avions même prêté pour nous habituer dans l'école, même pour vous rappeler. Écoute, pour mal l'hôpital, même pour vous rappeler. Déficit, non, c'est pas un problème. C'est qui ça nous fait avec déficit là? C'est qui ça? Nous faisons vagabondage avec elle. C'est activité criminelle liée. C'est activité criminelle Guinée jusqu'à présent. Tu vois la caille ou une sac l'argent. Très bien. Qui sort de comme ça? Déficit qu'on parle à c'est déficit gaspillage. Mais évidemment. Si côté que, a gagné une politique publique qui était déterminée par rapport à choix économique là, bon déficit qui fait côté qu'un coffre qui nous dépassait en plus, qui pas rapporté un rien à l'économie, on dit pas fait croissance. Donc c'est déficit ça que m'a parlé. Moi, je dis que déficit ça, mais il a aggravé la crise économique là. Et là, il a aggravé, je dis là, il a quitté le pouvoir d'achat en 2019, pas 2017, il vient pas gagner le cognac. Donc moi, je pense que je dis là, par rapport à tout problème ça, et encore, ça vient créer des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes de sécurité, et qu'on y a, question ça, on va aborder avec un gouvernement. Un gouvernement qui est là pour résoudre les résultats qui sont non, on dit à l'eau profond de toute société. Sénateur, nous t'avons dit n'a pas conclu. Est-ce que vous êtes d'accord pour la commission de vérité? Non, mais commission de vérité, d'ailleurs, en général, il devrait toucher d'ailleurs un groupe de sénateurs qui pourra le saisir pour que rapport Paul Denis, nous-mêmes dans le Sénat, nous l'a dit. Donc c'est plus que d'accord. Et moi-même, commission, moi je dis, m'attend que écrime, parce que qu'on y a, si on passe saisir. Il n'a pas l'assemblée pour nous faire travailler, pour nous prendre pour nous garder, mais ça va au contraire. C'est un désert, toi. Vous connaissez les vies. Moi, les vies. Bah, vous les mettez rapport pour le ni contre rapport plutôt qu'arriver, non? Les vies, non, 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 non. Non. C'est une commission de vérité de Duvalier à nos jours. Elle me dit de Duvalier à nos jours. Il n'est pas capable. Non, nous comprenons. Même jour que ça, le coup dit, le groupe des sénateurs dit commission et rapport pour le ni. Nous, tu connais. Pour mon avalation, le rapport de Paul Denis, c'est une bagarre qu'on fait contre l'avalance pour Aristide. C'est ça, il dit. Nous connaissons Petro-Caribé, malgré Petro-Caribé. C'est Prival 2, c'est Marjeli, c'est Privert. Privert Gekua, mais qui est intéressante. Donc, nous, quand on dit ça, nous dit que PHTK, c'est Petro-Caribé. Donc, nous n'avons pas qu'à entrer dans une dynamique. PHTK, la balance. Non, c'est pas la balance. Gary, c'est pas notre dynamique ça que je te dis. Je te dis, notre dynamique qu'on rapport, qui lui-même, par rapport à niveau rapport là, qui était toujours dans les couilles, dans les tours, que même j'ai besoin, tout le monde. Quand on est élection, pas le fait, on va voir les bagailles. La balance que PHTK. C'est un dernier, je suis doué. Troisième bois avec quatrième bois à monter. Vous avez dit. Alors, troisième bois, c'est Général Boulos. Alors, oui, il n'y a pas obligé, vous avez dit. Quatrième, non. Non, oui, non, oui. Ah, ok, donc moi-même je dis que nous d'accord pour la commission de vérité. Pendant ce temps, il y a d'autres rapports qui étaient là dans la nature, sans magasin,
fixer un groupe ou un groupe, c'est de voir qu'il y a des gens qui sont régionnés. Et je pense que, je dis, nous pas qu'à résoudre le problème pays, pas au gouvernement, il faut aller profond, puisque faut tout pour mettre tout le monde sur la table pour nous garder la crise là, dans ses aspects économiques, sociaux et politiques. Merci beaucoup, merci. Gabriel Fortuné, dans nos conclusions de venir. Bon, ma parole, c'est ma présidente de la République là, qui veut dire arriver dans le moment pour commencer à réfléchir, pour commencer à tendre les gens qui ont plus d'objectivité, qui sont sensibles tout pour le problème pays ça, pour que nous recommandons nos accords politiques pour le jour dans le pays ça. Ce n'est pas le deuxième lundi de janvier, c'est pas en décembre pour nous commencer à parler de ça, c'est maintenant. C'est jeudi là, pour tout le monde qui dit affaire politique, pour commencer à réfléchir, pour comment parler un dialogue profond, sérieux, sincère, pour aboutir à un accord politique, pour nous faire transition. La transition s'impose. Il faut qu'on fasse tout le monde qui est en face de transition, tout le monde qui ne comprend pas qui paye ça. Le peuple a demandé, on va un changement. L'État traditionnel, l'État mafia traditionnel, le peuple n'a pas voulu encore, la population n'a pas voulu, il n'y a pas qu'à Québec tête. Donc il faut que nous, il faut nous permettre qu'une autre émerger. Donc c'est mission chaque monde qui est là, capteur politique, et en particulier le président de la République.